Ça, c'était mon épaule. Alors, c'est pas un tour de paddle. L'épisode du jour, eh bien, c'est une petite exploration en Ardèche. Alors, on s'est dit, bon, l'Ardèche, c'est un haut lieu touristique. Ils doivent avoir une longueur d'avance en termes de parcours, de balisage. En plus, on a l'image de l'Ardèche avec des paysages de ouf, des petites vallées, le canoë forcément, vallon pont d'arc, etc. Et là, eh bien, en remontant du roc, on s'arrêtait à mi-chemin, plutôt au nord de l'Ardèche, du côté de Sarah. Et bien, on s'est dit, hop, on sort les gravels et on va faire un tour. Bon, première étape, le point info tourisme, un caviste au centre du village, information, le néant total, juste un petit plan parcours pédestre. Bon, pourquoi pas, mais c'est pas forcément ce qu'allait faire notre affaire. Alors du coup, on s'est dit peut-être que sur le point de départ de la Via Rona, on va trouver notre bonheur. Et là, pas mieux. Une bibliothèque libre, un panneau d'information, mais alors le panneau vraiment succinct, des infos pour la Via Rona, mais sorti de là, pour découvrir l'arrière-pays, que dalle, nada. On aurait pu croire que c'était fou poudave, mais du coup on s'est dit on va partir en mode exploration, on verra bien, il n'y a qu'à partir par là, on finira bien par trouver un endroit joli. Et des choses jolies, on en a trouvé. Bon, elles n'étaient pas signalées, mais c'est pas plus mal, le petit côté exploration était bien sympathique. Et là, on est parti et on a trouvé quelques merveilles. Petit tunnel sous voie ferrée, mais aussi eh bien, petit pont comme sur les cartes postales d'Ardèche. Petite vallée sympa, parce que la Via Rona, le peu qu'on a fait, nous a guère enchanté. Et puis après, ben, faute de trouver du balisage vélo, on est parti sur du balisage pédestre finalement, pour trouver des petits endroits sympathiques, comme ce lac du Vert, qui est bien bas en cette saison. Il s'agit d'une réserve de pêche. Et une fois sur le plateau, on a trouvé des choses un peu plus gravelables. Et de temps en temps même, des fonds de cartes, mais vraiment pédestres. Bon, faute de balisage spécifique vélo, le fait d'explorer, eh bien automatiquement, on peut avoir des bonnes surprises comme des mauvaises surprises. Alors les bonnes surprises, je dirais que c'est quand ça roule, quand tout va bien, quand ça reste praticable. Les mauvaises surprises, eh bien c'est quand ça commence à devenir carrément hostile et puis qu'on se retrouve à pousser ou porter son vélo. Après, vu qu'on est plutôt friand de passage en petit sentier bien étroit, qu'on n'a pas peur du technique, même avec nos gravels qui flirtent d'ailleurs avec les Monster Gravel, on est assez ouvert sur la question. Dès l'instant que ça roule, je dirais qu'on est content. Bon, après, c'est le balisage qui est quand même pas bien clair par ici. Apparemment ça change de couleur, maintenant il va falloir suivre du jaune et blanc. On a repéré sur la carte qu'il y avait quelque chose qu'ils appelaient la croix de Chardonneau. Avec un peu de chance, c'est pas
un simple village. Il y a peut-être une croix, un point de vue, un belvédère. Donc on va viser cet objectif qui est à 2,7 km. On verra s'il s'agissait d'un bon choix ou pas. Bon bah, on va pas prendre la route, hein, on va rester là. Je sais pas si c'est... Il n'y a plus de balises. C'est un petit peu un jeu de piste l'affaire quand même. Bon, on est retombé sur un balisage du GR. Et là, pareil, gros doute, est-ce qu'il faut aller là, est-ce qu'il fallait aller à droite? Pas gagné. Bon alors, c'est très très joli à rouler, mais on est content quand on tombe sur de la peinture fraîche. Et c'est vraiment pas évident de trouver les parcours, sachant qu'encore une fois, on est sur du pédestre, hein, faute de trouver d'itinéraire vélo. Oui, 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 j'ai vu que ça partait à droite au niveau du GR, mais je vois qu'il y a un... Là, il y a un joli sentier. Alors, plutôt que de descendre, je me dis qu'on peut peut-être prendre ce bout de sentier qui est en balcon pour descendre plus loin. Parce que c'est joli. On va essayer par ici. Quitte à retourner sur nos pas pour aller prendre le GR officiel. Au cas où là, ça donne pas grand chose. Mais a priori, il y a une possibilité de partir à droite. Donc ça va être l'option retenue. Allez hop. Et c'est également le GR. Alors il y a du vignoble hein, par ici, d'où les cavistes. Ouais. Non. On sait pas si ça nous envoyait sur la route, mais quand j'ai vu le panneau chemin du vieux chêne, je me suis dit s'il y avait un vieux chêne là, il y avait peut-être un chemin qui passait à côté, d'où le chemin du vieux chêne. Et c'est carrément mieux que la route, surtout avec un gravel. Quand même mieux là au milieu des vignes, au-dessus du Rhône, hein, que sur la route au milieu des voitures. Deux options. Allez, on descend. Il a l'air plus fréquenté, mais après, il est peut-être plus fréquenté par rapport à l'exploitation des vignes. Et non pas
par rapport à la pratique outdoor. Bon, si c'est comme ça jusqu'en bas, c'est ce qu'on appelle une bonne surprise. Là, on est typiquement sur ce qui reste tout à fait acceptable et correct en gravel. Où on a une faible granulométrie. Un bon grip en termes de freinage. Alors on est sur un terrain très sablonneux. Ah, elle est beaucoup mieux passée que moi. Ah ouais, j'ai eu le malheur de regarder le rail, de regarder l'arbre, regarder le rail, regarder l'arbre, regarder le rail, et voilà. Tout droit, hors trace, la totale. Alors, on va passer en mode... Les mains en bas. C'est tout de suite un gain de puissance au niveau des freins. C'est également la zone où j'ai mis mes petits pattes de gel. Donc j'ai un meilleur amorti, un meilleur contrôle général du vélo. Hop, tout dans l'appui. Hop, petit saut. On fait pas les malins, mais ça se descend quand même. Et voilà, retour à la civilisation. On va essayer de retrouver le Rhône et la Via Rhôna de la même occasion. Hop là. Une version gravel pour rentrer un peu plus en version gravier au point de départ parallèlement à la Via Rhôna. Bon, on aura pas mal jardiné au final quand même, des jolies découvertes, lac de verre. Une jolie descente à travers les vignes, des beaux aménagements sur la Via Rhôna, ça donne des idées entre Genève et Marseille, à peu près 500 km a priori, donc 4 jours.